Yo tout le monde, aujourd'hui, on entame notre 80e désinformation internetisée, mais surtout notre dernière vidéo sur YouTube.com. Et je peux vous dire que ça va être terrible. Enfin bref, allons-y pour le générique. Comme toujours, par un manque de temps, eh bien traitons de l'actualité générale. Avec... Oh non, mais il y a encore les attentats. Mais c'est pas possible. N'empêche que si vous avez bien vu, eh bien, chaque jour, eh bien, égale un attentat en juin. Enfin, tous les jours, il y a un attentat, quoi. C'est génial, non? Et ensuite, eh bien, je sais pas si vous pouvez vraiment voir, mais vous pouvez, de toute façon, voir ma magnifique transpiration que vous voyez ici, qui vient tout simplement de cette joyeuse et fameuse canicule de mes couilles. Ah là là. Qu'est-ce qu'on ferait sans elle? On a même atteint les records de 2003. C'est pas génial, non? Ensuite, eh bien, on va parler de politique. Encore une fois, et une dernière fois, surtout avec les résultats finaux des législatives. Et ce qu'on peut dire, eh bien, c'est que La République En Marche, comment dire ça? J'ai oublié le mot. Je sais plus claquer des doigts aussi. A rempli ou presque l'Assemblée Nationale. Environ 300 places pour En Marche, En Marche, La République En Marche, Emmanuel Macron, 39 ans, président de la République. Ah, vous voyez le délire, quoi. D'ailleurs, à propos de jeunesse, eh bien, si on voit la liste des ministres, eh bien, on peut voir qu'il y a des gens du MoDem. 56K. Ah là là, elle était facile, celle-là. Non, je veux dire, des mecs comme Bayrou, etc. En fait, je connais que Bayrou, mais il y en a plusieurs, enfin bon, bref. Eh bien, sachez que entre En Marche et le MoDem, eh bien, ça va super bien, quoi. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a vu? La première crise du gouvernement. C'est génial, encore, non? Et ensuite, eh bien, on a une actu très très joyeuse, enfin... En fait non. Toujours en politique, eh bien, on peut parler de NKM et son agression qui est survenue quelques jours avant les législatives. En gros, après que NKM ait échoué aux primaires, parce que bon, voilà, tout le monde fait président de la République, bon, c'est un truc assez prestigieux, je comprends tout à fait. Eh bien, quelques jours avant les législatives ou les primaires, enfin, je sais plus, enfin, avant c'était les primaires, maintenant là c'est les législatives. Eh bien, hein, quelques jours avant les législatives, encore une fois, eh bien, c'est que elle s'est fait agresser. Par qui? Eh bien, par un maire d'une ville inconnue, enfin bref. Et pourquoi elle s'est fait agresser? Eh bien, il ou elle, enfin bon, voilà, on sait pas la vérité. Voilà, c'est très très mature tout ça. Eh bien, une des personnes a insulté l'autre personne. Voilà, c'est ça la politique. On s'engueule sur tout le monde, enfin bref, voilà. Enfin, faisons pas le topo. C'est ça, voilà, c'est ça le topo. Enfin bon, bref. Là, je vais encore divaguer pendant 10 minutes. Hein? Parce que bon, voilà, je veux dire scientifiquement là, je peux vous dire que c'est surtout que elle est belle la vie, non? Et ensuite, eh bien, on va pouvoir conclure et terminer ce dernier journal, excusez-moi, par les morts. Le nombre de morts dans tous les pays, ou presque. Au Portugal, dernièrement, eh bien, il y a eu 64 morts à cause d'une canicule encore plus violente que ce que je dis actuellement, ça veut dire mes coups de merde, qui a ravagé une forêt. Et ensuite, en Angleterre, dans un pays où il n'y a pas la canicule, et c'est génial, eh bien, il y a eu 72 morts dans une tour de merde, là, une tour délabrée, enfin, tout ce que vous voulez, enfin, une tour des années 60, quoi. Et ça, c'était le comble pour terminer ce dernier journal. Ce dernier journal que vous avez vu des informations internetisées en 1 minute 30 ou presque, encore une fois. Et ensuite, eh bien, puisque c'est le dernier des informations internetisées de la saison, eh bien, je vais pouvoir vous proposer aussi le dernier zapping des infos. D'ailleurs, si on continue à laisser l'école devenir un instrument de reproduction sociale, alors, j'allais dire, pourquoi l'école? Autant fermer l'école tout de suite. Aucune femme n'est satisfaite de son corps, même si elle est très mince, qu'elle est mannequin lingerie ou que sais-je. Existe-t-il une obésité souhaitée? Le fichier S, c'est jusqu'à aujourd'hui un fichier qui n'a pas vocation ni à être ouvert, ni à être partagé avec d'autres services de l'État. Et donc il n'est en effet, sauf cas très particulier de demande, pas partagé par les services de préfecture qui octroient ces permis d'armes. C'est, de manière évidente, un fonctionnement qui n'est pas satisfaisant et qui ne nous permet pas de lutter efficacement contre le terrorisme.
Est-ce que finalement mais c'est quelque chose qui doit absolument être sur la table des négociations. Ça fait partie, je ne sais pas si on en a parlé déjà dans cette émission, mais des points soulevés par le sondage de Chatham House il y a quelques jours. Theresa May est marginalisée face à ses homologues. À l'occasion du sommet européen de Bruxelles hier, la chef du gouvernement britannique a même été priée de résumer en une demi-heure en quoi son échec aux législatives du 8 juin changeait les choses pour le Brexit. Une humiliation, poursuit le Figaro. À l'Assemblée, vous le voyez, Emmanuel Macron, il laisse, lui, ses amis gérer ses affaires politiques, ses affaires de boutique politicienne, et lui veut être au-dessus de la mêlée. Il est en train, vous le voyez, de faire un petit test de boxe. Le vin français continuera-t-il à bien vieillir? Sa production traversera-t-elle le temps en gardant la même réputation, le même prestige? Sera-t-il aussi goûteux, aussi unique? Rien n'est moins sûr. Le responsable de ce changement de goût pourrait bien être le changement climatique. Et les deux hommes vont parler des questions climatiques. Ça y est, on voit donc Emmanuel Macron qui accueille Arnold Schwarzenegger. Le président de la République a nommé Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Voilà, ça y est. C'est la fin. C'est la fin d'une époque, les amis. Une époque assez grandiose, puisqu'on a vécu plein de choses, comme par exemple le satanisme. C'était génial déjà. Encore une fois, on a vécu aussi les First and For Use. On a vécu le what the fuckisme intersidéral. Enfin bon, bref, voilà. On a vécu tout ça et bien d'autres choses encore. Donc, merci à vous de m'avoir suivi pendant ces trois dernières années sur YouTube. Et pour les survivants, je le rappelle, eh bien, on se retrouve l'année prochaine. Ça veut dire probablement, et normalement surtout, hein, puisqu'on ne sait jamais, eh bien, en septembre 2017, sur une autre plateforme vidéo. Puisque bon, vous connaissez pourquoi je vous dis ça même en ce moment, les trois dernières années et tout. Et là, putain, mais plus je divague là, plus il y a plein de sueur là qui se crée sur moi. Puisque surtout, je me rappelle qu'une vidéo, normalement, le principe le premier d'une vidéo, eh bien, c'est de se divertir tous ensemble. Alors donc, divertissons-nous prochainement et surtout sur un site qui est fait pour ça. Alors pour une dernière fois sur ce site-là dans lequel vous êtes, eh bien, ou pas, eh bien, yo tout le monde et à l'année prochaine. On commence déjà par une fille qui a fait tomber son portable dans les égouts. Ah voilà mon portable, putain de vrai, voilà il marche bien, c'est bon, allez vite, basta. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de payer avec un billet de Monopoly? Voici en exclusivité universitaire la nouvelle monnaie d'échange, le jouet. Eh, on a voulu innover un peu, beaucoup même, et on a conclu que fallait tout miser sur le Viagra, quoi. Vous êtes trompé de personne? Oh putain! Bon, c'était moi, bordel! Et comment on fait? Eh, je sais pas comment faire, hein. Aidez-moi! Ça veut dire quoi, l'embouiller? Bonjour! Du 7 au 9 janvier, on a eu les attentats de janvier 2015. Elle disait, rien à foutre, motherfucker, comme un dick. Alors pourquoi vous continuez à acheter des putains d'iPhone de merde alors qu'on fait grandir, personne ici bordel de merde? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Et on continue dans les infos joyeuses, puisque dans cette brasserie d'Angleterre, non, on n'a pas de photo, désolé. Oh my god! Oh shit! Oh my god! Tu vois un sextoy? T'en souhaites? Sinon je vais vous assassiner. Yo tout le monde, quel est le meilleur moyen de réveiller son auditoire? Eh bien c'est de crier nos oreilles et les siens. Mais maintenant, votre responsabilité! En gros, depuis des années, l'État a prouvé par maintes reprises que la police, c'est bien. Et que la police, c'est également le mal. On a vu Macron encore marcher, on a vu Macron marcher sur du vide, on a vu Macron marcher sur des marches. Enfin bref, on voit très bien qu'il joue la comédie. Donc vous savez, Donald Trump a prouvé maintes et maintes fois que il aime bien la politique. Enfin sur ce, salut à tous et à la prochaine.